de ce 3 mai 1936 sont sans appel. Le Front Populaire triomphe. Un programme inoubliable pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que tu fous? T'es à la bourre? Mais je sais. Et ce soir... Avec des chansons, de la magie, du rire, des jolies femmes. Entrez vite, ça va commencer. Le chansonnier est à moi. Fin du spectacle, tout le monde au chômage. Votre fils se livre à la mendicité, n'est plus capable d'élever cet enfant. Tant que vous n'aurez pas retrouvé une situation stable, vous ne pourrez pas récupérer votre fils, monsieur Pigoual. On occupe. Vous pensez quoi monter un spectacle chez moi? On vous paiera un loyer. Faites gaffe, les gars, ça me file le vertige. Eh ben, regarde ailleurs. Faut tu mets ça? Pour avoir la foi. Quand on auditionne, faut toujours avoir la foi. T'as l'air d'une mouche. Suivant. C'est la jeune fille envoyée par monsieur Galapia. Est-ce que vous pourriez nous montrer vos jambes, s'il vous plaît? Ouais, quand même. On vous engage. Moi, je sais pourquoi vous jouez dur avec moi. Parce que je vous plais. Ah oui? Vous me plaisez? Et ça, vous pouvez pas le supporter. Il y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre des lettres d'or. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Le public venait enfin nombreux. On courait applaudir ces chômeurs qui faisaient un spectacle avec leur vie. Pas trop vite! Pour quelle raison je donnerais une nouvelle chance à ces minables? Il est où mon bénéfice? Il y a quoi en échange?